Younes Migri, vos impressions sur cette première visite à la radio? Moi, je pense que c'est la première visite. Alors, comment vous avez vécu l'émission et comment vous avez ressenti la communication avec vos fans ici? Enfin, c'est la première fois où je vois les studios de Radio Mars. Ça me fait vraiment plaisir de retrouver toutes ces jeunesses ici. Et en plus de ça, il y avait la cerise sur le gâteau. C'est Omar Selim qui est un grand monsieur pour moi et que j'adore et avec qui j'ai passé un très, très bon moment. Justement, ces souvenirs, ça, vous avez gardé quand même l'enthousiasme de vos 20 ans. Lorsque vous voyez ces jeunes, qu'est-ce que vous avez comme conseil à leur donner pour pouvoir avancer dans leur carrière? Le seul conseil que je puisse donner, et entre parenthèses, c'est que de suivre ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils aiment, et qu'ils travaillent. Et qu'ils travaillent toujours, toujours et toujours. Parce que je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est avec le travail qu'on arrive à tout ce qu'on veut. Quels sont vos projets d'avenir? Pas mal de choses. Il y a l'enregistrement de deux titres, deux chansons que je vais faire à partir du mois de février, Inch'Allah. Et puis j'ai un autre tournage qui arrive aussi à partir du mois de fin février, début mars, Inch'Allah.